Bonjour à toutes et à tous. J'avais envie de vous faire profiter de la belle lumière d'automne dans mon jardin pour vous présenter quelques vidéos sur la tendresse. Alors, ce sera 2 ou 3 vidéos et on commence juste par une citation de Jacques Brel qui dit « Pour un peu de tendresse, je donnerai des diamants. » Eh oui, la tendresse, c'est un étrange paradoxe. Parce qu'il y a en même temps de la fragilité et de la force. Il y a aussi de la subtilité et de l'évidence. Et de la délicatesse et de la puissance. Voilà, ça c'est la tendresse, telle qu'on n'y avait pas vraiment réfléchi, et telle qu'elle est pourtant, parce que c'est la tendresse expérimentée régulièrement qui va nous permettre de créer notre fort intérieur. Elle est comme un brin d'herbe qui, nouvellement germé, arrive carrément à soulever le bitume. C'est ça, cette force incroyable de la tendresse. C'est un miracle en fait. Et c'est notre chance à nous, les humains, à nous de l'utiliser, de la savourer, de la cultiver, de la partager. En fait, c'est notre moteur à créer des relations. Dans certains cas, elle n'existe pas. C'est dans les cas de négligence affective où l'enfant donc ne va pas se développer normalement. Il va s'isoler et pourrait même en mourir. Donc on voit que la tendresse est une énergie de vie. Et là, j'ai donc envie d'abord de vous parler de la tendresse originelle. La tendresse originelle, c'est la tendresse que nous avons vécue à l'intérieur du ventre de notre mère. Quelle que soit la relation avec notre mère, à ce stade-là, on est juste d'abord un embryon et puis un fœtus, et on est dans de l'eau chaude, l'eau juste à bonne température, l'eau qui nous porte, et puis ce cordon ombilical qui nous amène à manger, à boire, tout ce qu'on a besoin. Et donc, c'est tout le temps un bonheur de félicité. La tendresse originelle, nous l'avons tous vécue, même les pires individus sur cette terre. Nous avons été imprégnés de cette tendresse du départ, cette tendresse que nous vivions à l'intérieur de notre monde aquatique. Et en fait, notre peau sentait constamment cette eau qui coulait sur le corps et même qui coule à l'intérieur et qui nous caresse en fait les muqueuses. Parce qu'on sait que le fœtus, il avale le liquide, mais il a aussi de liquide dans ses narines, partout, dans les oreilles. En fait, tout coule tout le temps et nous remplit en fait de cette tendresse originelle qui fait que nous grandissons, que nous pouvons vivre à l'intérieur de ce ventre. Et ça crée donc chez chaque fœtus un sentiment de bien-être. Voilà, c'est la tendresse originelle qui crée le sentiment de bien-être. Et c'est donc une expérience universelle. Et j'aimerais inviter Frédéric Le Boyer, qui est un gynécologue extrêmement intéressant et averti et parmi les pionniers qui prenaient donc l'accouchement sans douleur et qui s'intéressaient autant à la maman qu'au bébé. Et il dit ces phrases extraordinaires, l'embryon, ce fut l'âge d'or, petite plante immobile qui pousse, qui bourgeonne et qui devient un jour un fœtus.
Et la plante s'est faite animale, et le mouvement l'envahit. Et les eaux le portent, et lui donnent de l'oiseau la légèreté, et du poisson la vivacité. Voilà, c'est très très beau. Merci Frédéric Leboyer pour cette magnifique pensée de ce que nous avons vécu, de ce que nous sommes au départ. Et puis pendant les deux derniers mois de la grossesse, l'utérus se prépare au grand jour où il faudra évidemment expulser, et c'est un terme violent, hein, expulser ce fœtus qui n'a plus sa place dans ce ventre parce qu'il devient trop grand. Et l'utérus, en fait, fait ses gammes. Il apprend à se contracter et il fait ce qu'on appelle, il crée des contractions physiologiques. Les contractions physiologiques. Et donc, c'est pas douloureux, c'est pas fort, mais c'est régulier. Et en fait, ça augmente cette sensation de massage interne, de sentir tout à coup une force sur notre corps, et puis un relâchement, et c'est comme un massage. Et donc, le fœtus aime beaucoup ça. On voit qu'il se prête, il met son dos comme ça pour sentir et ressentir ses contractions physiologiques. Et il nous en est resté la nostalgie, à nous les humains, quand nous sommes devenus des animaux terrestres et finalement des adultes. Nous avons toujours ce besoin qu'on nous prenne dans les bras. Et en fait, de sentir la présence de l'autre sur les bras, sur le dos, les hugs, comme on dit en anglais. Et ça, c'est des nostalgies de cette période absolument magnifique et du paradis perdu après. Hein. Et dans la vidéo suivante, je vais vous raconter un peu ce qui se passe pour l'enfant et comment il va ensuite apprendre à rechercher la tendresse pour retrouver ses sensations en devenant cette fois actif. Parce que dans le ventre de sa mère, il est totalement passif, il ne connaît rien d'autre. Et pour vraiment savourer la tendresse, il y a besoin de sentir ce que c'est quand il n'y en a pas. Donc c'est ce qui va se passer avec la naissance. Et pour ça, je vous retrouve dans la